Bonjour les amis passionnés d'armes et de tir, bienvenue sur cette toute petite vidéo. Cette vidéo va lancer une catégorie de vidéos sur la chaîne qui va être la visite de stands quand l'occasion me l'est donnée en fait. Lors de mes déplacements, j'essaierai de me rapprocher de stands de tir qui sont à proximité. Et j'irai visiter, regarder un peu les infrastructures. Je vous parlerai un petit peu des infrastructures de ce stand. J'échangerai un peu avec les dirigeants du club. Et s'il m'est donné l'occasion de pouvoir de tirer, donc je ferai une séance de tir avec une arme du club, peu importe l'arme, en tireur passager de ce club. Voilà, donc on lance la première vidéo du genre avec le club STB 72. Aujourd'hui, petite séance de tir au STB 72 à 25 minutes à peu près au nord du Mans. Donc, nous avons plusieurs pas de tir. Comme vous avez pu voir, on a le pas de tir à 10 mètres, le pas de tir à 25 mètres, un pas de tir à 50 mètres et un pas de tir à 100 mètres. Le pas de tir à 10 mètres compte 22 postes, dont 2 électroniques. Le pas de tir à 25 mètres compte 14 postes. Ensuite, nous verrons le pas de tir à 50 mètres où il compte une douzaine de postes. En dernier, le pas de tir à 100 mètres qui compte, je ne me rappelle plus vraiment, entre 10 et 12 postes. Alors, pour vous donner mon avis sur ce club et ce stand de tir, tout d'abord, j'ai bien aimé son emplacement. Il est dans les écarts du Mans, dans la verdure, donc ça, c'est magnifique. Ils ont des infrastructures très, très intéressantes. Ils ont des pas de tir qui vont jusqu'à 100 mètres, donc tous les stands ne peuvent pas forcément dire qu'ils ont des pas de tir jusqu'à 100 mètres. J'ai bien aimé la pièce principale où il y a un petit bar où on peut prendre un café, vraiment on peut discuter, échanger, des tables, des chaises, on peut s'asseoir, ça c'était très sympa. Et j'ai aussi aimé donc l'encadrement. Je remercie par ailleurs Guillaume et Vincent qui m'ont fait visiter le stand. Qui m'ont expliqué un peu leur vision des choses. Je les félicite pour leur envie de pédagogie. J'ai pu voir des ateliers donc de formation des nouveaux tireurs. J'ai pu constater qu'ils avaient une très bonne pédagogie. Donc ça, c'est franchement, c'était excellent. Voilà. Donc je les remercie encore.
Vincent et Guillaume. Ils mettent l'accent sur les jeunes, ils mettent l'accent sur l'encadrement, sur la formation des nouveaux tireurs, et c'est tout à leur honneur. Voilà, je vous remercie. Petite vidéo où là on lance un petit peu la visite de stand. J'avais pas beaucoup d'images, donc j'ai choisi ce format de photos mélangées avec une voix off et quelques petites vidéos. La prochaine fois, j'essaierai de m'organiser différemment. En tout cas, je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai été un petit peu absent ces derniers temps, mais on aura de nouvelles vidéos qui arrivent. J'avais pas mal de boulot. J'ai également une autre chaîne YouTube, donc ça prend du temps. Mais on a des vidéos en préparation et vous ne serez pas déçus. Je vous dis à la prochaine fois.